sommes maintenant dans une phase où 93% des travaux de génie civil, c'est-à-dire du gros œuvre, sont réalisés. Je pense que c'est un élément de transparence de la part d'EDF, les chiffres qui ont été publiés hier, et le calendrier maintenant d'une ouverture en 2016 sera tenu. Le président de la République s'était engagé à achever ce chantier de l'EPR en même temps que la centrale de Fessenheim serait fermée.